Et il ferait quand même des petits câlins, des petits bisous. Voilà. C'est magique. Je peux pas dire mieux, c'est magique, c'est fantastique, c'est extraordinaire. On obtient des résultats qu'on n'a pas, qu'on peut pas obtenir en temps normal, quoi. Mon premier rencontre avec Peyo, c'était il y a 6 ans, dans le sud de la France. À l'époque, j'ai cherché un cheval pour parcourir le monde avec moi pour les contrats que j'avais, notamment dans le cabaret, le music hall. Je cherchais un cheval gris ou blanc, un cheval qu'on puisse voir dans des salles assez sombres. J'ai malheureusement pas trouvé ce que je voulais, j'arrivais pas à trouver exactement le cheval qui allait partager ma vie, et puis on m'a présenté ce cheval-là. J'avais rien trouvé d'autre et puis je me suis dit bon, pourquoi pas essayer. Ça a été très dur parce que pendant 1 an et demi j'ai rien pu en faire. Je savais que c'était le cheval, mais ça se passait tellement mal entre lui et moi que j'ai baissé les bras en fait. J'ai baissé les bras et puis j'ai dit bah c'est comme ça, fais ce que tu veux, je veux plus rien savoir de toi. Et puis c'est là où ça a commencé à marcher. J'ai réussi à le rassembler sans l'énerver, sans, voilà, dans la plus grande douceur. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir me passer des prons, de cravache ou d'enraînement. Le cheval est un équilibre parfait et j'ai juste à penser et il fait le reste. Il nous a toujours semblé très très important de mettre la personne au cœur de nos préoccupations. Et en gériatrie, c'est important. Ici, les gens viennent finir leur vie. Donc si l'humanité n'est pas la première de nos préoccupations, je pense qu'on se trompe de métier. Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec l'équipe pluridisciplinaire. Ce sont des personnes qui sont censées ne plus avoir de mémoire, mais il y a toujours quelque chose. Chez chaque personne, il y a toujours une petite étincelle qu'on arrive à trouver. Et j'essaye de trouver cette étincelle-là. Donc comme je dis, moi j'ouvre les tiroirs qui sont fermés. Et le cheval, par exemple, permet d'ouvrir certains tiroirs qu'on ne peut pas ouvrir en temps normal. Donc dès qu'il ouvre, il faut sauter dans le tiroir et creuser, approfondir et servir de ça. C'est gentil, ça. Hein. Là, j'ai la chance d'avoir Peyo comme partenaire de vie, donc depuis 6 ans maintenant. On a aussi eu la chance, j'ai eu la chance de traverser le monde à ses côtés. Et puis un peu lassé de toutes ces grands événements, tous ces grands voyages, j'avais pu remarquer à plusieurs reprises que Peyo avait un comportement totalement différent quand il s'agissait de personnes fragiles, des enfants ou des personnes âgées. Et ça m'a intrigué, une espèce d'énorme empathie, vraiment différent du reste du temps. Alors je me suis dit, tiens, faudrait essayer. Puis bon, malheureusement, la vie a fait que il m'a accompagné dans des épreuves personnelles. Donc voilà, c'était le cheval de tous les jours. Et puis je me suis dit, on va continuer comme on l'a fait pour cette personne-là. Et puis nous voilà aujourd'hui dans les hôpitaux. Ça part d'une histoire vécue donc il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Histoire très très personnelle, voilà, une sorte de traumatisme. Et puis je me suis dit, on peut pas s'arrêter là, on va continuer, sauf qu'on va mettre un cadre, on va mettre des règles, on va préparer. Quand Peyo est arrivé, à 99,9% des résidents, ils n'étaient pas du tout étonnés de voir un cheval dans le couloir. Et nous, on a trouvé ça génial. Ouais. Tiens, un cheval, bonjour. C'était génial. Ouais. Mais en fait, moi, je me suis aperçue que nous non plus, enfin, je veux dire,
On savait que Peyo arrivait, on savait que ça allait être assez, quand même assez, assez fort quand même. Mais en même temps, on s'y est fait drôlement bien, quoi. C'est limite si on ne lui dit pas « allez viens, on y va ». C'est pas rien d'entrer dans un hôpital, on prend pas le cheval, on sort du champ et puis on le met au contact de patients. Il y a différentes pathologies, il y a différents publics, enfants, adultes, personnes âgées. Donc il faut adapter la visite aux patients, il faut adapter et créer un protocole sanitaire. C'est-à-dire que le cheval est déparasité, il est tondu, il est traité, il est en quarantaine 2 jours avant l'intervention dans un milieu hospitalier. 2 jours après aussi, en rentrant, les pieds sont traités. Rien n'est laissé au hasard, les crins sont tressés, la queue également, le corps est couvert, les membres sont couverts. C'est un protocole qui est lourd, qu'il faut adapter au cheval. Voilà, c'est un travail de tous les jours, parce que tout est maîtrisé, que ce soit du foin au granulé, à son hygiène de vie quotidienne, aux entraînements bien sûr, parce qu'il va falloir aussi lui apprendre à marcher sur du parquet, marcher sur du carrelage, à marcher sur des sols plus ou moins glissants, monter des escaliers, prendre l'ascenseur, sortir de l'ascenseur. Mais le plus important et le plus difficile a été pendant 4 ans de lui apprendre à faire ses besoins sur commande. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on peut se permettre de rentrer un animal dans un établissement tel qu'il soit, et puis que malheureusement, le cheval fasse un crottin ou urine. Ça, c'est inenvisageable. Donc, il a fallu mettre des mots. Comment on apprend un chien à attendre, à se retenir et puis à sortir pour faire? Le cheval a appris exactement la même chose et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'entrer dans un établissement. Bravo. C'est vraiment un projet fédérateur, mais c'est important. C'est pour ça qu'il faut avoir des projets pour fédérer les soignants. Les soignants, ils sont jeunes pour la plupart, c'est pas évident. Le monde de la gériatrie, c'est quand on est jeune, quand on a 25 ans, qu'on est confronté à la vieillesse, à la mort, à la souffrance, c'est compliqué, des pathologies psychiatriques aussi. Donc c'est important d'avoir des projets fédérateurs. Donc ça fédère les soignants. Ça permet également aux soignants d'appréhender les résidents sous une autre facette, différente de celle du soin, et puis également le travail avec les familles. Puisque les familles sont très présentes, il y a un accompagnement des familles, donc ça permet de fédérer à tous les niveaux. Donc c'est vraiment des projets comme ça, le côté fédérateur, il est vraiment à plusieurs niveaux et c'est là la richesse de ce projet. Jeune, il a beaucoup manqué. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu pour rattraper tout ce qu'il a pu manquer, autant dans la souffrance que dans le manque du quotidien. Et puis, moi, dans mes moments de douleur, les moments les plus tristes que j'ai pu connaître, c'est vrai que c'est un cheval qui, contrairement aux autres chevaux que j'ai, c'est tout de suite collé à moi, il a tout de suite collé sa tête sur moi, essayé de me prendre avec sa bouche, m'attraper, puis me plaquer sur lui. Puis par la suite, quand je m'absentais plus de 3 jours pour un gala, il tombait malade, c'était des coliques à répétition. Et c'est là où j'ai compris que ce cheval était une vraie éponge. Alors bien sûr, il y a énormément de chevaux gentils, mais des chevaux avec une espèce de sixième sens, des chevaux capables de lire en nous avant même qu'on ressente nous-mêmes les choses. Ce sont des chevaux assez rares, il y en a, mais c'est très très rare. Des chevaux qui ont une longueur d'avance. C'est pas simplement des chevaux qui vont venir vous faire un câlin ou vous renifler ou quelque chose. C'est des chevaux qui ont compris et qui savent viser le point fragile chez une personne. Et c'est d'autant plus surprenant aujourd'hui quand nous voyageons à travers le pays, parfois à travers l'Europe, d'hôpitaux en hôpitaux,
de patient en patient et on observe à chaque fois que quand il y a une pathologie assez compliquée, le cheval se dirige vers le membre qui est malade, alors parfois la tête, parfois le cœur, parfois les jambes, et se met à avoir des réactions assez surprenantes. À force de visites, les infirmières, les médecins, les psychiatres, les art-thérapeutes, tous ont été surpris, stupéfaits de voir ce comportement unique de la part d'un cheval, de voir également que autant d'humanité pouvait finalement arriver d'un animal. Hassène vient avec Peyo, on prend chacune des notes sur les résidents, voir un petit peu leurs émotions, etc. Après, on les remet au propre sur ordi. On en fait comme un petit bouquin. Et à chaque fois que Peyo va venir, on va reprendre les fiches en fait, des résidents, on va renoter les émotions, et pour voir un petit peu dans les mois à venir l'importance que ça a pu générer, aussi bien en affect, aussi bien en verbalisation, enfin voilà. Et on va voir, il y a déjà une bonne quinzaine de résidents qui nous ont pas mal étonnés, quoi. Monsieur B est une personne qui parle très peu, qui n'a plus de mémoire, qui est malade d'Alzheimer. Il nous a parlé de choses qu'il avait faites dans son passé. On ne savait même pas, il parle alsacien, on ne le savait pas. Il a parlé, il a échangé avec Hassène. C'est fantastique, c'est magique. Et ça, on ne le savait pas. Madame R, c'est une personne qui, en temps normal, n'est pas expressive. Là, elle parle, elle sourit, elle communique. Communication verbale et non verbale, donc aussi bien on voit sur le visage, puis dans les paroles, et puis dans ses réactions. C'est là qu'on dit que c'est magique. Je ne peux pas dire qu'il y ait des miracles, parce que les miracles n'existent pas, mais c'est vraiment fantastique. Enfin, nous, ça nous apporte énormément. Enfin, moi, le premier a été magique aussi. On a quelques personnes qui ont réagi au quart de tour, comme je dis, toutes les personnes que je vous ai parlé, même au premier regard, ça a marché. Et le cheval le sait. Le cheval, il est retourné directement voir un résident qu'il avait vu en premier, et il a tourné à gauche quand il a fallu tourner à gauche, sans qu'on lui donne l'indication, il y a été directement. Et c'est fantastique quand vous voyez le cheval se mettre au repos devant un résident et puis fermer les yeux parce qu'il se repose et qu'il communique avec la personne en face, c'est magique. Cette harmonie, cette symbiose, honnêtement, je ne cherche pas à savoir exactement. On va juste se laisser emmener et profiter de ce qui est, tout simplement. Et c'est vrai qu'on va le voir au fur et à mesure là, des interventions de Peyo et d'Hassène. Mais on constate, alors autant certains vont verbaliser effectivement ce qu'ils ont vécu avec le cheval, autant d'autres n'ont pas les mots. Mais on a l'impression que les jours qui suivent, dans leur comportement, il y a quelque chose de plus serein. Oui, il y a un apaisement. Déjà, un cheval, c'est... Nous, on a des personnes qui sont assez âgées, qui ont connu les chevaux aussi, beaucoup. Qui ont connu les chevaux aussi bien de la bourre, qui ont connu les chevaux. Déjà pas mal. En même temps, un cheval, c'est un animal. Et ici, l'affect joue énormément. Donc, de toute façon, tout ce qui est animaux, chien, chat, cheval, il y a une attirance. L'humain est attiré par... Et en même temps, je trouve qu'un cheval fait peur, mais protecteur. C'est un gros protecteur. Alors, est-ce qu'on peut l'expliquer? Mais je pense qu'on ne peut que présupposer les choses. Je pense que c'est les patients qui vont nous faire découvrir ou nous dévoiler le pourquoi de l'attirance. Et en fait, la non-peur, après, hein, qui va arriver et qui arrive, quoi, petit à petit. Mais c'est humain, en fait. C'est une attirance naturelle, je pense, aussi. Le parfait haut. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Oh non, je pense pas. Même pas un coup de fil. Ben non, on pourrait même lui faire un bisou. À nombreuses reprises, on a été témoins, le personnel soignant, les professionnels de santé, d'actions totalement
incroyable, difficilement explicable à l'heure actuelle, d'où l'importance et la nécessité des sabots du cœur. Plusieurs fois, il a été sur des personnes malheureusement atteintes d'un cancer. Et comme on a pu préparer des chiens à venir renifler le cancer, notamment le cancer du sein, et ben ce cheval s'est étalé sur la zone malade directement. Et puis il s'est mis à lécher très très fort la zone cancéreuse. D'autres fois, sur les personnes ne pouvant plus utiliser un membre, il se met à solliciter ce membre, à lécher très fort ce membre, et puis après à câliner la personne pendant de longues minutes. Encore d'autres fois, des patients ont manifesté l'envie d'aller jusqu'à ce cheval. Alors moi, la première fois où ça m'est arrivé, j'ai trouvé ça bien et gentil de ce patient qui puisse se lever et venir jusqu'au cheval. Et puis en me retournant, j'ai vu toutes les infirmières, les médecins en pleurs, très très émus. Et c'est là où on m'a expliqué que cette personne-là ne s'était pas levée depuis 2 ans et que le cheval l'avait... lui avait donné des ailes. Voilà, donc ça c'est arrivé plusieurs fois. Il y a aussi eu des cas avec les enfants. Alors, c'est vrai que les enfants c'est très dur. Et où des enfants demandent à ce que le cheval soit là quand ils partiront. Et puis là, ce cheval qui est si fougueux, très difficile aussi à gérer sous la selle, se retrouve comme hypnotisé par le patient, vraiment vient mettre ses lèvres sur la main, sur l'épaule, sur la tête des patients, et parfois bien sûr jusqu'à ce que la personne parte, mais il reste immobile. Voilà, il se met au repos, donc on voit sa jambe derrière qui prend une autre position, et puis les yeux qui se ferment, les lèvres qui tombent, et puis vraiment il veille la personne. Voilà, ça c'est des comportements vraiment incroyables. Et puis aussi le plus surprenant, c'est avec Alzheimer. Les personnes atteintes d'Alzheimer, au contact du cheval, subissent une sorte d'électrochoc, un choc émotionnel. Et puis des personnes qui peuvent parfois être vraiment dans leur bulle, dans leur monde, fermées, parfois agressives, parfois violentes physiquement ou verbalement, se retrouvent comme des enfants, vraiment... et se mettent à parler, ça, le cheval emmène au langage, emmène à l'échange, emmène à l'ouverture. Et puis, le plus surprenant a été, sur quelques patients, une sorte de retour de mémoire, de souvenir incroyable, d'une précision impressionnante. Et c'est ce qui est vraiment surprenant, le plus surprenant. Bonjour. Gardez qui c'est qui vient. Comment ça va? Alors? Faut pas pleurer. Ouais. Il reviendra dans un mois. On vous le remonte dans un mois. Vous le direz à votre fille dimanche au téléphone? Oui. Et à ce monsieur. Alors, par contre, je pense qu'avec Emma, elle t'aura pas. Elle a ouais. Ouais, c'est ça qui est dommage. On reviendra. A bientôt. Non. Ouais. Allez, t'es eu arrière. On recule bien, hein. Bien, oui. Au revoir, madame. Il est en photo partout dans les couloirs.